Passez-moi votre cigare, monsieur. Tu filmes, taf? On va faire un gag. Filme bien, parce qu'elle va partir d'un seul coup. Hein. Salut à tous et bienvenue dans le monde de Farce Attack. Comme tous les dimanches de l'été, replongez avec Baffy dans les meilleurs moments de Farce Attack. Caméra cachée, imposture et taxi délire aux quatre coins de la France. Allez, c'est parti! C'est la première fois que je vois cette photo. Et alors là, il y a un mec, mais splendide qui débarque. Attention. L'âme, on est tordu. L'âme, chameau. Mais c'est quoi cette affaire? Les meilleurs moments de la télé. C'est pas tardé. Au début de l'émission, on avait des problèmes de programmation, les invités ne connaissaient pas l'émission, ne voulaient pas venir. Maintenant, on est en plein triomphe. Donc les gens se battent pour venir, à des stars, il y en a partout. On tape dans un arbre et on chope une star. Voilà, c'est maintenant, par sa date, c'est la consécration. Voilà. Bonjour. Il y a Campan derrière, mais t'en veux donc, pas tout à l'heure, Campan. Ouais. Tout à l'heure. Il y a Sardou qui était au chiot. Sardou qui était au chiot. Même dans les chiens, tu ne crois pas, ça commence bien. Ça va, toi? Dis donc, Laurent, c'est quoi ça? Ça commence fort. C'est vrai que je suis allé dans les mauvaises chiottes. Ou les bonnes. On va en parler de tout ça, va? C'est con, va. Dis ton sac, va. Alors écoute, je reviens de New York, on parle que de toi là-bas. Farce attaque par-ci, farce attaque par-là. Non. Ah bah attends, moi je croyais que tu étais complètement grillé dans le métier, donc j'avais pris un petit peu de distance, c'est bon, moi. Par rapport à... Ah oui, moi je voulais pas trop qu'on nous voit ensemble, mais là du coup... Bah, ça monte ça... un peu là. Ah bah comme ça marche, moi je suis très content d'être avec toi. En plus, c'est là que t'entraînes ton équipe de ronde là. Bah, j'entraîne mon équipe, on ira ce soir. D'accord, bah, de... avant on va faire un tour en ville, d'accord? D'accord, comme tu veux. Allez, on y va. Vous venez avec nous? Ah t'as des parcs, ah bah, non, on va pas là, bah d'accord, alors on va dire là. Ça c'est le bar des Gypsy Kings. Les Gypsy Kings. Voilà, ça c'est super, c'est dans le dernier album ça. Oui. Mais vous dites quoi, la main moins... La main inée. On s'en fout complètement. Faut dire la caméra cachée. Et comme ça on la présente. Ok, d'accord. Et vous dites sur France 2, hein, parce que sinon les gens ils savent pas. D'accord. On y va. 3, 4. Ami Wawa, la caméra cachée. Ami Wawa, la caméra cachée. Sur France 2. Ami Wawa, Ami Wawa, Ami Wawa, la caméra cachée. Sur France 2. Ami Wawa, la caméra cachée. Ça pour foutre l'ambiance en l'air, bravo hein. Y'a quelqu'un? Oui. Mais vous faites quoi? Je suis spéléo, je me suis paumé, je crois. Est-ce que vous pouvez simplement, je sais pas, me passer quelque chose à grignoter, que je puisse repartir dans l'autre sens? Moi j'ai des biscuits si vous voulez. Ah ouais, c'est vrai, ça serait sympa. Non, je donne rien du tout. Vous allez le laisser comme ça? Bon, ça c'est mon assistance à faire son manger, de toute façon ça. Mais il est où? Je ne vois pas moi la personne. On n'est pas obligé de voir les gens si on les entend, ça suffit. Mais on l'entend mais où? Monsieur?
Bon, il y a un monsieur qui va vous aider. Moi, je vais essayer de trouver quelqu'un. Okay. Il va vous filer des gâteaux. Ok, c'est gentil. Et je lui laisse la bouteille d'eau aussi, d'accord? Ok, merci. Vous allez je reviens de toute façon. Ouais. Donnez-lui les gâteaux, moi, je vais aller en chercher, mais c'est bon. Ah bon? Vous êtes là? Je m'appelle Robert, bonjour. Bonjour Robert, je m'appelle Nicolas. Salut Nicolas. Moi je sais pas quoi faire, il faut que je te donne les gâteaux alors. Ouais, si tu peux m'en filer un ou deux, c'est pas sympa. Je les lance comme ça alors. Hein? Un, deux, trois. Ah c'est super, je l'ai. Ah c'est bon. Ah ça fait du bien. Ouais. Ouais, c'est un peu dégueulasse parce qu'il est tombé un peu sur le truc là, mais... Je suis pas à sa presse, quoi. Ah bon? J'ai pas bien compris ce qu'elle m'a dit la jeune fille tout à l'heure. Elle m'a dit que j'étais à Genève. Ouais, à Genève, ouais. Pourquoi? T'as pas d'ici? Non, je suis français, moi. Ah d'accord. Et je suis descendu dans un secteur que je connaissais pas et j'ai de fil en aiguille, tu vois, je suis arrivé dans les canalisations. Ah ouais. Bah t'as pas de bol. Tu veux encore un autre biscuit? Ouais, s'il te plaît. Tu veux la moitié ou... Non, en entier, c'est bon. En entier. T'es prêt? Ouais. De nouveau, on fait 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. J'ai pas eu, là. C'est normal, c'était un test. Allez, on la refait, mais cette fois, je la lance. Ok. 1, 2, 3. Merci. Tu fais quoi dans la vie, toi? Ah, moi, je suis avocat. Ça dérange si j'en mange un petit peu? Non, non, je t'en prie. Ah, t'es gentil. On peut faire vraiment des rencontres inopinées, hein, Genève? C'est sûr. Allez, là-bas. Bon, ben là, je vais donner des biscuits et puis... Mais vous avez tout mangé, les biscuits? Non, il en reste deux, là. Mais vous êtes en train d'en manger, vous? Ouais, ben je lui ai demandé. Il était d'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait? Ah non, mais rien, c'est bon, je vais repartir dans l'autre sens, quoi, je vais essayer de retrouver la sortie. Alors, je peux m'en aller? Ouais, c'est cool, merci. Hein. Moi aussi, je peux m'en aller. Ouais, Nico, ouais, je voulais simplement dire super merci, c'est vraiment pas sympa. Je t'en prie. Attends, je prenais la bouffe au rein, ouais. Je suis là pour dératiser, moi. Attention. Et attention, il y a quelqu'un. Ah, attends. Mais il y a quelqu'un là-dedans. C'est pas possible. Non, vous pouvez pas faire ça. Mais lâchez-moi ma non, main. Non. Ouais. C'est pas vrai, c'est une histoire. C'est une histoire un peu compliquée, mais... Pourquoi? Il y a quelqu'un qui est coincé là-dedans. On va attendez, je vais voir les dents, viens voir. Non, vous ne vaporisez rien du tout. Ça tue les rats. Oui, mais la mort aux rats, c'est ça. Ça, c'est pas de la mort aux rats, c'est du farce attaque. Non. Toujours la seule, ça. C'est du farce attaque. C'est une caméra cachée. Bienvenue sur France 2, bienvenue à Farce Attaque. J'ai vu Farce Attaque, c'est pas les gens font un coup là. Bienvenue sur France Attaque. Bonjour les gars. Bravo. Vous êtes bien placé depuis Paris, vous faites quand même la bise. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Farce Attaque. Je suis avec André qui va co-animer avec moi toute l'émission pendant deux jours. Derrière nous, la rade de Brest. Alors André, vous êtes du coin? Oui. Hein? Il y a combien de temps que vous êtes brestois? Ah, je suis pas de Brest. Hein. Le? On est à Saint-Malo, là. Il est pas Brest. Hein. Pas Brest? Non. Il a dit Brest. Mais... C'est où, c'est? C'est Saint-Malo. Et l'autre jour, celui d'or, Saint-Malo. C'est qui Brest? Ah oui, c'est pour ça, au changement, ils m'ont dit la correspondance. C'est un site écorfait. J'ai loupé à Rennes le changement. Ah bon? On l'a refait. Bonjour, bienvenue sur le fait... attendez, faut pas rigoler, ça me fait bafouiller, moi. Hein. Oui, oui, vous savez, André, hein, c'est oui, quand même un métier, la oui, télé. Oui, hein. Oui, oui, oui. Bonjour, bienvenue sur le plateau de Farce Attaque. Avec cette semaine, André, qui va co-animer l'émission avec moi. On est à Saint-Malo, André. Oui. Et non pas à Brest, oui. Hein, comme vous disiez oui, tout à l'heure. Oui. Alors, tout de suite, on va voir une première caméra cachée. Oui. Qu'est-ce qu'on va voir, André? Ben, le paysage, je pense. Hein. If everybody had a moon across the USA. Vous dites juste, allez, top à la déconne. Top à la déconne. Oui, mais faut le vendre, hein. Allez, avec Dédé. Ouais, ça marche, quoi. Non. Moi, je dis, avec Dédé, oui. Et vous faites top à la déconne. Top à la déconne. Attends, à mon top. Avec Dédé. Avec Dédé. Top à la déconne. Ah oui, mais Dédé, vous faites pas le petit geste qui a plu, là. Oui. Là, c'est top à la déconne. Je suis pas top à la déconne. Ah, si, oui, ça marche très bien. Allez, si. Je suis à comment... Je ne suis pas un présentateur de télé, moi. Ne vous mésestimez pas. On y va. Avec Dédé.
Stop la déconne. Et le geste? Hein? Oui, j'ai oublié le geste, bébé. Le geste. Alors, il fallait faire top à la déconne. Top à la déconne. Oui. Top à la déconne. Vous voyez, faut vendre ça, sinon les gens ils se barrent. Hein. Ils appellent. Oui, hein. Oui. Comment vous le sentez, Lélé? Vous le sentez? Oui. Ouais, je le sens bien là. Oui, vraiment bien. Avec Dédé? Top à la déconne. Ça va tomber les gonzesses après ça, Dédé. Hein. Oh. Ouais, ouais. C'est bon. Ouais, ouais, je te le dis, moi. Then everybody be surfing, like California, you see them wearing their baggies, Warachi sandals too, a bushy, bushy blonde hair, serving USA. Et ici, c'est Brest, alors? Ouais. Bah non, c'est pas Brest, vous confondez encore. C'est Saint-Malo. C'est Saint-Malo. C'est pas mal, hein? Oui, oui. Je préfère Brest. Tout de suite, on regarde la prochaine séquence. Merci Dédé. Vas-y, vas-y. Oui, oui, ben, je pense que c'est bien dit, hein. Ouais. C'est bien, bien prononcé. Alors. C'est métro rue du Bac. Rue du Bac, ouais. ça doit pas être très difficile à trouver, quoi. Je vais continuer qu'on trouvera une banque. Je sais pas, juste un père. C'est ça. À moins que vous preniez la carte. Non, c'est pas la carte. Oh là, bah la pauvre, elle a l'air d'avoir du mal avec sa baloche. Enfin, je vais pas la laisser comme ça. Il y en a un petit coup de main, il y en a pour deux secondes. Hein? Ça, c'est une opération pour super craco. Toujours là où il faut. On est parti rue du Bac. Au revoir. Allez, amoureuse là. Elle est complètement amoureuse de vous là. Amoureuse. Si c'est vrai, regardez. Ah non, mais elle a c'est vrai, elle en fout. Ah, mais vous lui avez fait quoi? Non, je peux vous le dire. Je te prends. Mais alors, c'est pas la taco mobile encore, il y a un problème, elle manque de. La taco mobile? Bah, c'est un problème de moyens en même temps. Quand on a le déguisement, il faut avoir la... C'est pas un déguisement. Excusez-moi, je me suis mal exprimée. C'est pas un déguisement. La tenue. L'uniforme. La tenue. Il faut avoir la taco mobile. Hein. Tu sais, la nuit, il se passe tellement de choses à Paris, il y a toujours un truc à faire, il y a toujours quelqu'un à aider. Ouais. Un enfant à faire traverser, quelqu'un qui tombe de son vélo. Que sais-je encore? C'est moi, c'est Super Taco. Super Taco? Ouais. C'est quoi Taco? Taco, c'est taxi. Ah. Je viens au secours de la veuve et de l'orphelin. Bah, c'est bien. Et il en faut. Bah, il en faut au moins un. Oh putain, les enculés, ils sont en train de fourrer un poste. Super Taco! Attends, les gars, ils sont en train de chouer un poste? Ils sont en train de voler? Ah! Oh my god! Putain, j'hallucine! Attends, mais on est dans un film! Je sais, ils ont tout niqué. Ils ont tout niqué dans la caisse. Ils ont explosé le carreau, ils ont tout cassé. Tiens, maman. Faut que je prévienne les flics. Et les gars, ils font ça comme ça, en plein dans le. Super Taco! Et toujours là? Quand tu le fais. Super Taco! Toujours là quand il faut. Voilà. Mon super-héros préféré, c'est Superman. Vous en avez, vous? Oui. C'est qui le préféré pour vous? J'aime bien Batman. Non, mais attends, il est complètement dérangé, Batman. Ah ouais, c'est pas un mec bien. Il a un blocage sur son enfance, c'est terrible. Hein. Souris, c'est pas... Non, non, c'est pas ça. Spider-Man, c'est pareil, c'est un déréglé. Ouais. Superman, effectivement, c'est un vrai petit gars, en plus. Il vient de Krypton. Non, on n'a pas de cliché par rapport à Krypton. Tout à fait, il a été élevé en France. Voilà, il a été élevé où on veut, finalement, alors qu'on saurait qu'il est américain, forcément, au niveau des Français, ça se passerait moins bien. Alors que Super Taco est parigo, par contre. Ah ouais. Ça, y a pas de... Et Super Taco est toujours là quand il faut. Souvenez-vous-en, c'est mon slogan. Comme Zorro, justicier qui surgit hors de la nuit, qui court vers l'aventure au galop. J'ai pas d'épée, mais j'ai mon taco. Et moi, je ne porte pas de masque, je me cache pas. Vous voyez, Batman, il se cache, Spider-Man aussi. Ils se cachent tous derrière un masque. Moi, je porte pas de masque, visage découvert. Pourquoi?
Comment ça, pourquoi? Parce que j'ai rien à cacher. Ah. Hop là, super, taco. Alors vous n'oubliez pas, hein. Super, taco. Il est là quand il faut, voilà. Et il est par ego. Il est par ego. Cela dit, en souvenir. Oui. Si ça vous branche, j'ai des casquettes super taco à vendre. Et j'ai des t-shirts super taco. Non. Bah si, non, voilà. Non. Casquette super taco, t-shirt super taco. 70 francs le t-shirt, 50 francs la casquette. Je vous oblige pas, mais c'est un souvenir de super taco. Oh, j'en veux pas. Vous n'en voulez pas? Bon, vous êtes tellement sympa, je vous en offre un noir, ça vous va? Un noir? Un t-shirt, ouais. Oh, ça bah, vous branche? Ouais, mais ça me c'est pas un t-shirt super taco, par contre, c'est un t-shirt Farce Attaque. Vous savez l'émission de caméra cachée dont vous êtes invité? Oh là 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 là, je vous fais trop. Bienvenue à Farce Attaque. Bienvenue à Farce Attaque. Ah non, ah mais non. J'ai pensé que les Parisiens sont fous. Oui aussi, j'ai remarqué. Hein. Bonjour. Vous allez bien? Oui, attendez, simple contrôle. Hein. Simple contrôle. On va voir si c'est réussi. C'est votre première? Oui. Comment ça s'appelle? Victoria. Et vous tirez la tête pour voir si elle pleure. Oh non. Si, c'est bien, j'aime bien faire pleurer les enfants. Non, mais elle ne pleurera pas. Elle pleure pas? C'est vraiment chérie. Petit peu un bisou. Ah ouais, non, mais c'est pas drôle pour nous, faut qu'elle pleure. Bah, faut la pincer. Pincez-la, voilà, en vrillant. Allez-y, passez-la, vous verrez, il y a que ça à faire. Hein. Elle est mignonne. Bonne journée. Bravo. Et bonne année. Quand on pense qu'on devait faire ça avec ta vie. Ah. Incroyable. Oh là 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 là. Et voilà. Bonjour. À cause de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous faites des enfants, vous n'êtes pas capable de vous en occuper? On fait un reportage sur les enfants maltraités, je crois qu'on est bien tombé là. Hein. Vous voulez témoigner à visage découvert ou vous voulez qu'on vous mette une mosaïque? Bonjour, ça va? Les jeunes m'adorent, hein? Vous semblez, je vous connaissais. Moi aussi, je vous connais. Vous n'avez pas voulu pour la suite, parce que je n'ai pas téléphoné depuis. Non. Bon, remarquez, vous n'avez pas tout perdu, il est beau. Je suis désolée aussi. Je vous enverrai un mandat quand même, ce serait quand même fair play de ma part. Ah oui, en province, il faut se détendre, hein, c'est... Oh, elle pleure, elle pleure. Parce qu'elle m'a demandé quelque chose, je ne suis pas d'accord. Quoi? Elle voulait quoi? Elle veut une Barbie, parce que Barbie, on n'aime pas ça du tout. Mais Barbie, c'est un fumier, il a déporté des juifs. Oh, mais qu'est-ce que là, ouais. Il va bien, fou, là. Pas bien, Barbie, pas bien. Prends la marionnette de Papon, déjà, tu verras si tu t'amuses avec ça. Si on lui mettait des claques dans la gueule, elle serait pas un petit peu plus avenante? Genre, il y a un moment où il faut savoir les dresser, les gamins, non? Oh. Comment on dit en chinois, Aliénor, cesse, tu es ridicule, ton père et moi, nous n'en pouvons plus. Au revoir! Il va hurler. This is stupid, I don't do it. No, I can't do it. I don't, this is stupid, I don't do it. No, I can't, come here. No, man, look. This is my friend. What's his name? What's his name? Paolo. This is Paolo. Vous avez hurlé, c'est pas mal. Il y a longtemps qu'il dort. Il dort depuis longtemps. Il faut le réveiller. Oui. Paolo. Oui, oui. Paolo. Non, non. Non, non. Non, non. Paolo. Paolo. Il dort. Paolo. And the moon hits the sky, it's a big pizza pie, that's a Paolo. When your eyes meet mine, I know that it's fine, it's a Paolo. Paolo Mandiana, Paolo Mandiana, Paolo Mandiana. Bonjour. Salut. Aujourd'hui nous sommes à Poitiers. Il y a le futuroscope. Ouais. Oh, ouais, c'est génial. Il paraît qu'il y a cinéma dynamique et cinéma 300. Et ça te dirait d'y aller? Oh, ouais, j'adorerais ça, moi, le futuroscope. T'as vraiment envie d'y aller? Ouais. 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 Non, les gens pas. Mais pourquoi? Attends, tu peux nous rappeler ta dernière note de mathématiques, s'il te plaît? Bah, 3. Mais t'es pas mon père. Oui, mais t'es d'accord que 3, c'est pas terrible non plus. Ne quittez pas.
On peut pas s'arrêter. Non. Non, mais allez, je lâche mon mal au pied. Non. Pourquoi tu prends le soir? Il y a personne. Pourquoi tu prends doucement? Parce que moi aussi j'en ai fait un pipi. Poitiers, oh Poitiers, ville aux mille secrets, à chaque retrouvaille, j'ai envie de te murmurer. Ça y est, j'ai pissé. C'est bon, t'es prêt? Tout prêt. Tu t'es lavé les dents? Pas toutes. T'as pas peur? Du tout. On est dans le... Poitou. Quatre à la suite. Il est pas là. Équipement! Approchez! Pas trop près! Mesdames et messieurs, venez voir des numéros exceptionnels! L'homme, on est tordu! L'homme chameau! L'homme sans tête! Sans tête, pas changé. Bon, l'homme sans homme! Casse-toi, t'es bien! Maintenant, je vais jongler avec une main. À trois, je disparais. Un, deux, trois. Parais! Y'a pas de pognon, hein? Hé, hey Bruno, ça s'est bien passé, hein? Ouais. Hé, hey, t'es mon copain. Ouais, ouais. Hé, hey, ton argent, on fait Poitiers-Poitiers. Hein? On fait Poitiers-Poitiers. Hein? On fait Poitiers-Poitiers. Pourquoi tu parles doucement? Est-ce que c'est pas pour nous en parler? On en parle pas, non. D'accord. Hé, hey, sinon j'ai fait le calcul. Alors en fait, tu me dois, si j'enlève les frais, tu me dois en attends, fait... Attends. Tu peux nous rappeler ta dernière note de mathématiques? Salut, c'est Farce Attaque, on est au cœur de la Camargue. Ce sont des taureaux d'arène extrêmement dangereux et peut-être une chute spectaculaire. On ne sait jamais. Oh. Bonjour. 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 Salut. Elle a fait coucou d'elle-même, hein, c'est dingue. Voilà. T'es mignonne, toi. C'est quoi ton prénom? Toujours Farce Attaque, on est à mi-chemin, on fait une petite pause. On a le droit, on n'est pas des bêtes. Allez, tu finis. T'auras rien d'autre, hein? Oui, oh ouais, passe-t-on là. Hein. Bon, alors tu files dans ta chambre. Tu files maintenant, hein? Ta mère et moi, on n'en peut plus. Tu manges plus rien. Tu fais que courir les nanas. Allez, fini. Allez, fini. Jean-Michel, non, vraiment, là, t'es casse-couille. Hein. Allez, Jean-Michel. Allez. Pour faire plaisir à papa. Allez. On le tient plus, hein. Non, non, non. Break. Non, j'ai dit viens, on va se délasser. J'ai pas dit viens bouffer mes lacets.
Voilà, bah tout ce que vous me dites, ça m'émeut. Et là, à qui ça me fait penser les gibbons ? À Pierre Bachelet. Au nord, il y avait les gibbons. Tu veux regarder la une ? Tu veux rester sur France 2 ? Deux ans de massage. Tu veux voir une caméra cachée ? Avec la clope, putain, mais tu sors d'où ton pote là ? Eh, mais on sert pas la maquille, tu fais la bise avec la clope aussi, par le billet ? Non, j'y crois pas. Qu'est-ce que tu veux boire ? Je sais pas. Tu veux un petit truc ? Ouais, d'accord, je vais servir ça. La pêche à donf, on irait. C'est rigolo, c'est un copain. C'est Norine 9 ou non ? Bon, non, Nicolas est toujours en train de discuter avec. Là, tu fous un bordel, Hugues. Désolé, attends. Tu te souviens de la blague qu'on avait fait à la grosse l'autre jour ? Le coup du tabasco, ça, je vais te montrer, c'est. Tu vas voir. Deux secondes. Pas de police, je le connais pas, moi. Pourquoi il va faire quoi, là ? Je sais quoi, je le connais pas. C'est pas toujours ça, hein. Tiens-moi le papier. Alors ça, ça marche à tous les coups. Oh là là. C'est pour le mec qui est derrière. J'espère qu'il te voit pas. Non, personne ne se connaît. Pas de problème. Un petit café. Il va en boire une bordée. Ça y est, c'est fait. Je le connais pas. Oh merde. Oui. Le fait des chiffres. Le fait des chiffres, c'est pas ça. C'est marrant. Oh. Il va se faire bien. Oh, j'y crois pas. Non, attends, ça t'en fait. Oh, le pauvre gars. Ah, mais c'est vrai, comment c'est pas quoi. Non, mais attends, elle arrête. Oh là là. Attends, c'est ton pote. Non, mais il est encore pire que moi. Oh là là. Merde. Et la salade, tu connais. C'est excellent. Non, mais arrête. Non, mais arrête. C'est la petite qui écrit là-bas. C'est la bière sans sauce, c'est ce qu'elle voulait, tu vas voir, hein, la table. Non, attends. C'est drôle, non ? Non, mais non, vas-y, fais pas le con, s'il te plaît. C'est sympa, c'est-à-dire. Vous vouliez une salade verte sans sauce ? C'est ce qu'il veut quand même. Putain, c'est quoi ? C'est la première fois que je vois ça, je crois pas. T'as fait de succès, hein, non ? Ouais, j'ai besoin d'un whisky, là, maintenant, je crois. Ah non, on a fait licence 3, je suis désolé. T'as du feu, là ? Attends, bah, ça fait... Là, il marche pas. Si, il marche. C'est le gaz ? Ouais, si, il marche. Oui. Ça va ? Ouais, ça va. Vous amusez bien avec votre copain ? Non, mais attends, je ça suis Ça vous amuse, hein ? Non, mais je suis pour rien, je veux dire, je le connais même pas, non, moi, bah, ce gars-là. Ça va, je vous vois ricaner, là, depuis tout à l'heure. Attendez, le coup des chiffres, c'est sur la dame tout à l'heure. Il arrête pas de faire des blagues, quoi. Ouais, et ça vous fait rire, vous étiez là, là, c'est vraiment drôle. Franchement, j'ai pas pleuré, quoi. Bon, en tout cas, avec votre copain, vous arrêtez, là, ok ? Ouais, bon, bah, d'accord. Ok, c'est moi. Je vais lui dire, non, mais je sais que. Non, moi, mon père, il est flic, alors si tu veux avoir des embrouilles, il n'y a pas de problème, ok ? Oui, il y a tu te calmes, hein. Je crois que je vais le tuer, hein. Je vais le tuer. Tu me l'as vu, Non mais arrête de faire des commandes, d'une part quoi, parce que quand non mais attends, je crois que je te connais quoi. On se connaît, non ? Non. Mais si on se connaît ? Non, je te connais pas. Pourquoi ? Attends, faut savoir ça. Il y a pas un truc qui est déconné. On y a déconné. Oui, non mais quand même, attends, il y a des limites là. Aïe. Attends, je vais m'excuser, il paraîtra plus rien. Pour te pardonner, je vais lui faire un petit cadeau. D'accord. Hein ? Prêt ? 3, 2, 1. Top.
Merde. Mais c'est quoi ce bordel? C'est une blague. Pas rien. Attends, sans déconner, c'est drôle. Sans déconner, c'est drôle ou pas? C'est fumeux, ouais, c'est très fumeux. C'est très fumeux, hein. Non, parce que ça me fait plaisir que tu trouves ça drôle, parce que je pense que aussi les spectateurs France 2, ils trouvent ça drôle. C'est pas vrai. Si, juste là, regarde. Bravo. Oh, merde. Alors là, vous avez sur le bassin aquitain, ça va s'éclaircir un petit peu. En revanche, sur la Sardaigne, des vents violents vont venir perturber le climat. Un anticyclone venu des Açores amènera le soleil. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mais pourquoi vous laissez le bordel comme ça, là? Allez, rangez tout ça. C'est une blague? C'est une blague? C'est une blague? C'est une blague? Vous jouez le con avec la pente, vous. Qu'est-ce qu'il y a sur TF1 en ce moment? De la merde. Bon, alors, on va pas passer en Bretagne sans apprendre à faire des crêpes, hein. Bon, alors... Bonjour, c'est quoi votre prénom? Chantal. Chantal, alors vous allez me donner un cours. Voilà. Donc, vous allez... Vous êtes quand même jolie. Comment? Vous êtes pas mal comme vous êtes. Vous m'empêchez pas de faire des crêpes. Et pourquoi vous avez participé à l'élection de Miss Farce Attack? Ils sont pas chers, Quimper. Vous avez donc plus hein? Ben regarde. Vous n'avez pas fait l'élection de Miss Farce Attack? Non. Vous voulez voir ce que ça a donné, les résultats? Comment ça s'appelle? Non. Ça m'aurait arrangé, vous disiez oui. Maintenant. Bonjour, ici Dan Melander à Quimper. C'est l'heure de la séquence Miss Farce Attack. Tout de suite, présentation des candidates. Bonjour, je m'appelle Diane, j'ai 17 ans, je suis des études littéraires à Quimper et je vais tout faire pour être élue Miss Farce Attack. Salut, moi c'est Nathalie, j'ai 26 ans, j'habite Quimper, je suis votre future Miss Farce Attack. Bonjour, moi c'est Angélique, j'ai 24 ans, je suis infirmière et je vais tout faire pour être élue Miss Farce Attack. Alors que doivent faire ces charmantes quimperoises pour être élue Miss Farce Attack? René, vous êtes le chef de mission? Oui, les filles, si vous désirez être élue Miss Farce Attack, vous devez en moins de 10 minutes embrasser un maximum de fois le même garçon. Top, c'est parti. Oh, bonjour, comment tu vas? Très bien, tu vas la mise? Oui, je suis. Tu vois? Oui, mais carrément, c'était. Bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Bon, bah super, il n'y a pas de mec. Qu'est-ce qu'il y a? Je leur fais peur. Ils sont terrorisés. Vous êtes quimpérois? Ah non, pas non du tout. Non. Est-ce que je peux vous embrasser? Non, vous ne voulez pas m'embrasser? Au revoir, monsieur. Alors là, il y a un mec, mais splendide, qui débarque. Attention. Ah, je vais être là. Bonjour. Ça va bien? C'est Nathalie. Tu ne te rappelles pas? Vous vous souvenez pas de moi? Non, pas du tout. C'est vrai? Non. Moi, ça me fait vraiment plaisir de vous voir. Vous ne me reconnaissez pas? Pas du tout. C'est vrai, je suis la fille de Jean. Jean qui? De Jean Roudotte. Je suis hyper contente d'être là. Attends, quoi? Je vais bien faire par toi. Ah oui, ça te tient. Ah, réfléchis. En tout cas, moi, je suis contente. Ça va? Ouais, c'est celui qui... T'as réellement pas changé, hein? Toujours le même. On a qui se dit bonjour. Ouais, il n'y a pas un chat à l'horizon. Ça va?
Bien sûr que ça va. Ah bah, je vous embrasse alors parce que ça va tellement bien. Allez, arrête. Allez. Arrête. Bon, ça va, non ? Je vous émoustille pas quand même. Mal. Alors ? Diane, ça te dit pas quelque chose ? Ah là, je suis vexée, mais alors. Bon, c'est pas grave, je te fais quand même la bise. Allez. J'en fais quatre cette fois-ci. Mmh. On s'est pas vu en boîte récemment ? Ah non, désolé. Non. Où est-ce que tu vas en boîte déjà ? À nulle part, pourquoi ? T'étais pas au Calao récemment ? Au Calao ? Ouais. Ah non, pas du tout. Eh, je vous souhaite la joyeuse Pâques quand même. Ça va durer longtemps. Hein. Bah ouais, mais il faut tout fêter, il y a le nouvel an, la joyeuse Pâques. Ah, bon. Et puis en plus, il y avait Noël. Puis là, allez, je vous rembrasse. Voilà, ah, c'est tout ? C'est tout ? On en fait quatre quand même. Ah bon ? Ah bon ? C'est bien, ça fait, hein ? Toujours. Ouais, toujours. Bon, allez, je t'embrasse une dernière fois. Attends. Bon, je t'embrasse encore, alors. Ouais. On le refait cette fois. Ça va ? Nickel. Allez, je vous embrasse. Allez, allez, allez. Allez, je vous explique. Allez, allez. Encore un. Allez, pour Jean Roudot, c'est pas si mal. Hein. Encore un. Non. C'est vrai ? Rien. Allez. Rien. Pourquoi ? Même pour la caméra cachée, vous voulez pas m'embrasser une dernière fois ? La caméra cachée. Oh. Là-haut. Ah, là-haut. Oui. Bravo Angélique, vous avez été celle qui a le plus embrassé. Vous êtes donc élue Miss Force Attaque. Ben, je remercie tous ces charmants jeunes hommes qui m'ont embrassé. Ça nous a permis de nous réchauffer à Quimper. Miss Force Attaque donc Angélique. Oh pardon. Personne n'a décommandé l'orchestre ? Vous êtes perçu le fax ? Non. Ah oui, il y a un petit problème là, c'est qu'on a annulé la musique. C'est pas possible ça, vous avez quand même pas à faire déplacer 8 personnes pour faire du folklore. Alors ça c'est la production qui est responsable, j'étais contre. Qu'est-ce que je vous dis, moi je comprends bien, c'est honteux. Ça c'est France 2, ils en ont rien à branler. D'accord, ben, on fera quand même, hein. Ah ben, vous avez raison. Bon alors. Allez, c'est vous qui avez raison, jouons quand même. Soyons. On s'en fout des fax. Ben oui, la production, on l'emmerde. Un peu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si le doudou bien balancé, coupe les bosses super sapées, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour. C'est bon bon, c'est bon bon, c'est bon bon, swing it. Je vous présente Eric. Eric travaille à la production, il vient de faire une erreur monumentale. Il a demandé si elle était bonne. Il est con, il est plus sympa. Il est con, il est con. Taxi, suivez ce papillon. Emmenez-moi dans des endroits où les histoires commencent par il était une fois. Je veux partir en déconnage, là où la fantaisie assure le décollage. Hep taxi, suivez ce papillon. Puisqu'il va n'importe où, c'est là où nous allons. Hep taxi. Hep taxi, top magnéto. C'est parti. Bienvenue dans le taxi karaoké. Alors, c'est la fête ce soir ? Ouais, c'est la fièvre du samedi soir. Alors attention, bande de vous tous. Tu fais des karaokés de temps en temps ? Vas-y, fais péter la musique. Alors, fais péter la musique. Allez, vas-y, attention. Fais péter, Bob. Nous sommes partis ce soir. C'est samedi soir, vendredi soir. Attends, c'est parti. Ouais. Donc, prends-moi la main, viens danser. J'ai le soleil sur la peau. Bravo. J'ai dans le cœur un bon goût. J'ai dans la tête un oiseau. Oui, super. Qui te dit tout à danser. J'aime l'océan Pacifique. Ça fait quelque chose de magique. On a toute la vie pour s'aimer. Ouais.
Prends-moi la main, viens danser. Wow, 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 wow. Enfin, j'adore Paris comme ça. C'est quand même délirant. Alors, qu'est-ce que tu veux sinon? À part ça, j'ai sa plate pour moi. Ah bah, c'est vachement sa plate pour moi. Hein. Tu veux une cassette? Oui. Biche, ma biche, allez, moi, je m'imagine. On s'amuse. Je veux Bob Marley. Allez, vas-y, Bob. Allez, viens, moi, je mets la brune parce que j'adore les... Moi, je préfère les brunes, mais... Une brune, une blonde encore. Comment ça se fait, comme ça? Ouais, parfait. Absolument. Chacun fait parfait. Skinny, fait, fait, fait. Non, mais tu es là, toi aussi, je n'avais pas encore vu ta tête. Mais tu as l'air sympathique aussi, ouais, c'est formidable. C'est vert. Non, franchement, honnêtement, c'est le moins sympathique d'entre nous. Voilà. Qu'est-ce que ça tourne là-dedans? Eh, vas-y, mais vas-y. Clarence! Oh, mais Clarence! Oh, ma chérie, viens faire un bisou. Là. C'est une super copine à moi, elle organise des soirées karaoké. Ouais, super, mais pas bon. C'est elle qui m'a donné l'idée. C'est excellent, ça marche. Ah ouais, ça marche. Ah, mais non, c'est d'enfer. Attention, tu touches le jack avec ton genou. Ah ouais, ouais, toi, ouais. Tu es un vilain petit canard. J'arrête de toucher le jack avec mon genou. Oui, c'est pourquoi je te les chante. Et les présents. Ah, c'est excellent comme idée. Oui, tu le vois, ta revanche. Tu verras ma dernière chanson. Elle chante très très mal. Oh, menteur. Qui veut faire Bonne Marley? Ah ouais, moi je vais faire Bonne Marley. A cappella, un gros truc bien foireux. Pourtant que la montagne... Non, je vais chanter un peu. J'aurais dû apporter mon appareil photo. Faites penser aux Spice Girls. Ah, ça prend comme les points, vous êtes formidables. Arrête, on est deux mecs, bordel. Allez, hop. Ça plate pour moi. Oui. Ça plate pour moi. Moi, ça plate. Ça plate pour moi. Au pire, j'aurais pu jouer un petit truc de la guitare, mais bon, là... Yes, I. Ça plate pour moi. I'm the king of the divorce. C'est difficile. Sérieux, dans la voix, t'as quelque chose. Hein. Tu peux pas me refaire un petit coup? Allez, tu pourrais devenir la nouvelle Patricia Cass, par exemple. Enfin, on m'a déjà dit que j'avais un peu le même timbre de voix, mais... Moi, ça me va bien, en fait, en blonde. Si, je me vois. Moi, je vois rien. Et je cours, je me raccroche à la vie. Écoute, me saoule avec les roues. Non, non, mais c'est très, très bien. Alors, je vais vous demander quand même quelques petits applaudissements pour me remercier. Bravo. J'ai un truc à vous proposer. Je suis en affaire avec France 2. Je bosse pour eux pour une émission qui s'appelle Farce Attaque. Farce Attaque. Vous êtes des invités. Bravo. C'est une caméra cachée. Bravo. Je te dis, bienvenue à Farce Attaque. C'était ça le mot que tu cherchais. Bravo. Bienvenue à Farce Attaque. C'était une caméra cachée, les gars. Je savais, il avait l'air trop space. Il avait l'air trop bizarre. Non, moi, j'ai chanté comme un débile. Ah, ça nous a fait plaisir. En tout cas, I am the king of the divan. Ah ouais, quand même, je veux dire, les enfants, bravo. Sur la photo, est-ce que tu as une relation particulière avec lui? Comme moi, j'ai pu avoir une relation avec une chèvre dans une émission. Petit bisou, mais où un petit bisou. Depuis, pas un coup de téléphone, rien. Ça, les amours de vacances, c'est toujours pareil. Ça, c'est... Vas-y, là. Tu peux lire ça. Tes medito en la farmacia. Ouais. Ça veut dire tu as médité à la pharmacie. Como una princesa, comme une princesse. Ias pedido con la gracia. Tu as demandé avec beaucoup de grâce. Compressa, de compresse, parce qu'il y a de l'herpès et... Ce sont des serviettes hygiéniques. Compressa, c'est des serviettes hygiéniques.
Ah. Eh bien, il est temps pour nous de rendre l'antenne. Salut, à la semaine prochaine. Et t'écris ça dans tes chansons? En espagnol. Ouais, le mec qui fait des horreurs, mais en espagnol. Alors, il a déchiqueté la capote, c'est de l'espagnol. Et c'est quoi le sens de la chanson là? Bah, je peux te la traduire. Enfin, tu es le seul à qui je la traduise, parce que dans ta petite culotte, tu as eu des petites taches de trêve. Ce sont des petites gouttes de règles de règles. Voilà. Et peu à peu, je m'éloigne de l'accouchement de l'accouchement. Avec l'essence, bien évidemment. En réalité, c'était l'histoire de Bambi, mais c'est un gros déconneur. Salut, à la semaine prochaine. C'est Rania Niastoï, ta chanson, on peut pas... Retrouvez les meilleurs moments de Farce Attaque tous les dimanches à midi sur France 2. Et tu vas pas sur TF1, toi, t'avais pas des propositions Non. Non, ils t'ont pas appelé? Non. Ils vont t'appeler, Dédé, ils vont t'appeler.